Bonjour à tous, bienvenue à Guitare Classique Concert à Paris. Comme vous le savez, nous sommes spécialisés dans les guitares de concert et nous recherchons partout dans le monde les meilleurs luthiers, qu'ils soient d'aujourd'hui ou de demain. Notre objectif est de vous trouver des guitares qui puissent vous permettre d'exprimer 100% de vos intentions musicales. C'est-à-dire que l'instrument doit avoir d'une part, pas forcément de la puissance, mais une dynamique, une large dynamique qui vous permette de jouer avec une grande flexibilité, des pianissimo et des fortés, sur tout le manche, avec tous les doigts de la main. Ensuite, des notes bien sûr épaisses, avec un long sustain et des résonances harmoniques. Et enfin, un manche parfait, c'est-à-dire un manche facile, sans notes courtes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une guitare qui nous vient du Brésil. Alors, le Brésil est un pays immense avec énormément de luthiers et de guitaristes. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui un des luthiers qui représente la jeune génération de la lutherie. Clayton Fernandez est avant tout un guitariste. Il est diplômé, il est docteur en guitare classique et enseigne à l'Université fédérale du Brésil, près de Fortaleza, dans le nord-est du Brésil. À l'occasion d'un projet d'études en 2016, il a commencé à construire des guitares et à ce jour, il a quasiment 18 mois d'attente et de nombreux concertistes jouent sur ces instruments. Clayton, pour ses guitares, s'est inspiré de manière assez importante de la lutherie australienne, notamment d'un luthier qu'il admire qui s'appelle Zimiu Niatek. Mais on a une guitare qui est d'inspiration australienne avec une finition brésilienne et un toucher brésilien. Voyons ce que cette guitare a à nous offrir. C'est une guitare lattice avec une table en cèdre fine. Un barrage en quadrillage, lattice voulant dire quadrillage en anglais. Donc 9 brins dans ce sens, 9 brins dans l'autre. Le barrage est en balsa avec un fil de carbone. Le poids du barrage est de quelques grammes. Le chevalet ici est en padauk. Il faut savoir qu'il en est du chevalet comme pour les jockeys en course hippique. Plus le chevalet est léger, meilleur c'est pour la guitare. Le dos, les éclisses sont en palissandre indien. Relativement classique, relativement structuré, la guitare doit faire 2,2 kg. La lutherie est magnifique, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais vous avez des filets tout autour de la guitare en forme de flèche. La guitare possède un armrest comme il se doit pour éviter en fait d'étouffer la table et aussi pour rendre l'instrument plus confortable. Une touche surélevée, ce qui donne un accès plus aisé aux notes suraiguës. La touche est en ébène avec une 21e frette ici. La tête très classique, très similaire à celle de Zimiu Niatek notamment. Et les mécaniques sont des mécaniques haut de gamme brésiliennes qui s'appellent VS, des initiales du fabricant. Je vais jouer la guitare note à note pour que vous puissiez l'entendre. Des basses généreuses. Comme les notes sont épaisses, on a un très beau vibrato. L'accord de sol. Beau médium. Si. Et
très belle résonance harmonique. On a vraiment l'impression d'être dans une petite église. En conclusion, je vous dirais que nous avons là un instrument étonnant, ouvert, puissant et généreux avec notes complexes et épaisses. Les médiums sont magnifiques, le son est onctueux, voire crémeux, tout en restant cristallin. C'est un instrument de concert idéal qui réjouira le professionnel comme l'amateur. Dernière chose, cette guitare a un rapport qualité-prix imbattable et je vous invite tous à venir l'essayer rapidement. À bientôt. Merci.